Je vous retrouve, chers amis, sur Guardian of Claudia. Donc, on va continuer notre histoire et une petite mise à jour que j'ai faite, vite. Donc, voilà. Ah oui, on était avec notre assassin, donc notre petit talon. Oui, je l'appelle comme ça, il ressemble trop à talon. Non, je rigole. Avec notre assassin, bien sûr, évidemment. Et on va continuer notre histoire. Comme j'ai annoncé sur la des deux dernières vidéos, je continue le jeu, l'histoire en tout cas, en caméra. Et il y en a un qui fait de la guitare. Donc, je veux pas continuer hors caméra. Je veux vraiment continuer l'histoire et voir plus d'avantages, quoi. Donc, voilà. Donc, on va devoir y aller. Je sais plus où on doit... On devait aller. Ils disent pas. Alors, parler à Vulpine. Vulpine, c'est elle. Ok. Tina, tu es extraordinaire. Parler à Vulpine. Bah, j'ai parlé à Vulpine, non? C'est elle? Je vais pas l'attaquer quand même. Il me dit de l'attaquer. Ah non. Skywalker, eh bien. Oh, prime de taverne. Le mieux à la taverne, c'est les boissons. Bon vin. Oh, pour avoir un bon vin. Vous avez reçu une demande de Vulpine. Vous recevrez des récompenses précieuses si vos familles féeriques terminent la demande. À lui parler. Ok. Sectionner les familiers dans des exigences de la prime. Curieux, on dirait dans le tutoriel que je suis. Dernière la quête. Let's go. Ok, on va accepter. Skywalker. Simple comme bonjour. Sont un peu, honnêtement, ils sont un peu inspirés de League of Legends. Une renarde, bon voilà quoi. Ils peuvent faire mieux en termes d'inspiration quoi. Parce que ça c'est abusé. C'est qui, c'est elle que je dois la voir? Je pense que c'est elle. Vous avez terminé. Ah, on devait cliquer. Vous avez plus qu'à casser des potions quoi, mais pas un petit blanc. Yep, yep. Use pet EXP potions to upgrade your pets. Use pet EXP potions to upgrade your pets. Ok. On va se mettre en auto, j'ai trop la flemme. Capitaine, que faites-vous là? Gamer gourmand? Yes, c'est moi. Ça sert à rien, ce photo. Je suis l'archiveque Zémir du temple sacré. Vous êtes un habit? Ok, je suis un peu inspiré de Dofus aussi. Parce que les habits, c'est comment vous expliquer? Les Wawa habits, bon voilà quoi. Et alors, vous pensez qu'un habit ne peut être archevêque? Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? I'm Vesemir, dorénavant, the Archbishop of the Holy Temple. Quête principale, ok. Ah, je peux améliorer mon rang. Ah oui, c'est vrai. Let's go! Bon, vraiment, je crois que... On s'est un peu décalé de l'histoire et j'ai rien compris ce qu'il faut faire à l'histoire. Je suis vraiment perdu. «
Le scorpion me fait penser à Skarner dans League of Legends. Il y a des champions que... Des champions. Il y a vraiment des monstres qui me font penser trop à League of Legends, hein. Sans vous mentir. Mais vraiment, c'est ça le truc. Ah, mais il met mal, en fait. Remarquez. Imaginez-vous le scorpion comme ça dans League of Legends, s'ils vont le faire une refonte. En vrai, ce serait stylé. Oh, c'est un peu décalé de l'univers, c'est sûr. Oh, on a une monolithe, on va l'éveiller. Bouclier de renvoi de dégâts. Nice. Actif, barrière de pierre, ok. Ouais, qu'on faire on met le pouvoir de la roche pendant 6 secondes, se transforme en un bouclier qui absorbe des dégâts équivalents à PV max du familier, X29% plus 1500, bouclier envoie 20% des dégâts en tant que le maître est attaqué. Temps de recharge 30 secondes, ok, tu augmentes de niveau plus ça, ton bouclier, tes sorts vont être augmentés. Donc, plus ça, soit du fond, augmente l'endurance de maître de 6 en combat. Ok. On a eu le Malphite, ce qui est cool. I'm Vesemir, the Archbishop of the Holy Temple. Alors, hop. Et la puissance totale atteinte de 10 000. On a eu un truc au sac. Carillon, un avocat régné. Ah, ok. Intéressant. Ok, on peut déployer un autre familier dont on pourra mettre deux. Et là, on gagne en qualité. Et on va pouvoir notre rang qui passe de aventurier à rang 1 full. Vous avez déjà atteint le rang de rangée. Pas étonnant que vous soyez un marche-ciel. Prenez cette superbe monture en récompense. On prend quoi? Un mouton ou une poule? Oh, j'hésite. Un mouton, c'est stylé quand même, regardez. La poule aussi, elle est stylée. Le truc, je sais même pas si c'est un mouton ou un bélier. Ça fait penser aux cornes de Horn. J'ai envie de prendre le mouton. Question de style, la poule, bon. En vrai, on va prendre la poule. Référence à la France. Aux Gaulois, non? Sinon, on prend le mouton, référence au kebab. On va prendre ouais, le mouton. Hein. Agneau mignon, allez. Référence au kebab. Ok, de 30 jours. Hé, j'ai eu mon kebab. On éclaire d'apprendre les civils des abysses marcher dans cette direction. On pourrait trouver Nina là-bas. Allons-y. Let's go. Ah. Ah, un peu de combat. C'est que... On va se laisser là pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo. Je sens la présence de Mina et l'ordre. Ah, frère, ça va vite. Vous savez quoi, je vais plus dire. Parce que vraiment, ça sert à rien. Ça va vite. Ah ok, quand on clique dessus, ça fait automatique, je pense que j'ai besoin de comprendre quoi. Moi, ça fait. Mina. Captain. Mina. You. Here come two more worms, but I only need one. Il est mort quand même. I wouldn't mind adding two more sacrifices. Prepare to die. Oh, on a invoqué. Huh.
Votre fin est proche. You will die with me. You shall wait and see the hell that comes. Ok, le but de l'histoire, c'est de sauver Mina, en fait. C'est ça le truc. Focus on your target. Do not get distracted. I'm Vesemir, the Archbishop of the Holy Temple. Oh, du stuff. Encore, on est au tutoriel, sérieux? Oh, purée. Why you look rather perplexed after seeing a cat girl like me? Pourquoi? Lol. Et je suis pas soit dingue avec mon kebab. Bon, l'idée. Ah. Ok. D'accord. Let's go. I'm going to write an incredible book on the sprite realm. Yes. Oh, un coffre. Eh oui, l'autre coffre. Dude. Yes, royaume de l'équipement. Et bien sur ce, on va se laisser là pour aujourd'hui. Merci de regarder cette vidéo et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao 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 les bros.